préféré, c'est celui-là, c'est Street Fighter 2, parce que c'est... Voilà, c'est nostalgique, c'est sentimental. Quoi. C'est... Actuellement, c'est Street Fighter 5 parce que le gameplay est fou. Et avec des potes, on se fait des tournois de malade. C'est le Street Fighter auquel j'ai le plus joué, c'est évident. Mais mon vieux cœur de gamer me fait dire Street Fighter Alpha 3. J'ai passé mais alors, énormément de temps dessus. De très très loin, c'est Street Fighter 03 ou Street Fighter Alpha 3. C'est certainement Street Fighter Alpha 2. Je me suis usé les pouces sur la croix directionnelle de ma manette PlayStation. J'aimais bien le design des persos plus jeunes, en fait la jeunesse des héros de Street Fighter. Il y avait un casting de cinglés, je sais plus combien il y avait de persos. Et là avec la Switch, bah, je suis content parce que je vais retrouver Street Fighter Alpha dans la poche. C'est probablement Super Street Fighter 2X ou Super Street Fighter 2 Turbo. C'est le 5, hein, c'est celui auquel j'ai le plus joué. C'est un jeu qui m'accompagne toujours dans ma borne aujourd'hui et que je ne lâche pas depuis plus de 15 ans. Je dirais Street Fighter 2 Turbo principalement. Parce que voilà, c'est celui avec lequel on jouait avec les potes quand j'étais petit, donc sans hésiter celui-là. C'est Street Fighter 3, je trouve que c'est un jeu qui est hyper technique et encore aujourd'hui, je considère que pour moi c'est l'une des références en matière de baston 2D. Je pense que c'est Super Street Fighter 2. Les graphismes se sont affinés, il y avait beaucoup plus de personnages. L'animation est vraiment superbe, on a l'impression de regarder un dessin animé. Pour moi c'est Street Fighter 2. Je pense que c'est vraiment le 4. Parce que ça a été ma première accroche avec la saga et surtout j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer Chun-Li dans la version Street Fighter 4. Que j'adore, j'y joue encore sur la version Super Nintendo Mini parce que je retrouve ce toucher que j'avais auparavant. C'est vraiment le jeu qui a su me prendre au trip et qui m'a suivi tout au long de ma life, jusqu'à aujourd'hui même. You win! Perfect! Ah, ouais, c'est quoi, tourne-toi. Tourne-toi.